Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ce petit tuto. On se retrouve aujourd'hui pour parler rapidement du coffre verrouillé de la nouvelle zone, la Cité des Rêves. Donc il y en a plusieurs, probablement un par zone. Aujourd'hui on va parler de celui des brumes d'Ivalienne, la zone des brumes d'Ivalienne. Donc vous l'avez probablement remarqué si vous êtes apparu dans cette zone, qu'il y a un coffre verrouillé qui apparaît de temps en temps. Alors l'apparition de ce coffre, elle est tout simplement liée à l'activation d'un pylône qui se trouve à proximité. Vous pouvez le voir, ce pylône s'active de façon aléatoire. Quand le pylône est actif, le coffre apparaît. Et quand vous vous approchez du coffre, on vous dit tout simplement que la magie imprévisible des trois garde un verrou sans clé. Il va donc falloir, vous l'aurez probablement compris, trouver trois orbes cryo-électriques afin de pouvoir activer ce coffre. Alors, poser les trois orbes, c'est facile. En revanche, trouver la position des orbes, c'est un petit peu plus compliqué, sachant que ces orbes, bien évidemment, reposent dans des coupoles, mais apparaissent uniquement lorsque le pilier est actif. Les coupoles, en revanche, ne changent jamais de position. L'idée est donc simple, il va falloir repérer la position du coffre et placer chacun des trois membres de l'escouade sur une coupole et attendre tout simplement que le pilier s'active afin que les orbes cryo-électriques apparaissent. Une fois que les orbes apparaissent, emparez-vous-en et foncez vers le coffre afin de pouvoir le déverrouiller. Vous aurez bien évidemment un temps donné qui est limité à l'activation même du fameux pilier dont je vous parlais. Allez, pour vous faciliter la chose, c'est cadeau, voici la position des trois coupoles et donc des trois orbes cryo-électriques pour la zone de la brume d'Ivalienne. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, partager et lâcher un petit pouce bleu s'il vous aura été utile. Et quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour plein d'autres astuces sur Destiny 2. Ciao tout le monde !